produit d'énergie E égale combien? Toujours l'intégrale. Voilà, puis qui contient le système. Et là, je vais éliminer. Là, je élimine X. D'accord? Là, je vais éliminer. Donc, j'efface la variable Y. Alors, qu'il reste X. Donc, X multiplié par Z fois D2 2dm. Alors, le produit d'énergie F égale l'intégrale. Donc, toujours, j'ai éliminé le variable Z. Voilà. Alors, qu'il reste X fois Y fois D2 2dm. Très bien. Voilà. Donc, tu as là le centre d'énergie. La définition du moment d'inertie et le produit d'inertie. Après, on va voir la matrice d'inertie. D'accord? Donc, la matrice d'inertie. Donc, il y a l'essentiel. La matrice d'inertie. Donc, la matrice d'inertie. Voilà. Donc, la matrice d'inertie. Voilà. Le système égale combien? Toujours la matrice d'inertie. Je vais dire la matrice d'inertie. Donc, on dirait toujours le diagonale A, B, C. D'accord? A, B, C. On a choqué un dirait. Donc, on a qu'un dirait D. D'accord? D, E, F. Donc, il a donné un dirait qu'un dirait moins D. D'accord? On a E, donc moins E. Et on a F, donc moins F. Très bien. Voilà, donc on a le diagonale. D'accord, donc la matrice d'inertie. Comment trouver ABC? Donc on a ABC, le moment d'inertie, les déjà tarifs à Lyon, quand on a le produit d'inertie. Le produit d'inertie, le moment DEF. D'accord. DEF. Plusieurs exercices pour bien adapter le chapitre géométrique des masses. L'essentiel est d'adapter bien, de capter bien les notions de